La Polynésie française sert de décor au nouveau film d'Alain Corneau, Le Prince du Pacifique. Rencontre avec l'ingénieur du son dans un décor de rêve. Dans la façon dont travaille Alain Corneau, généralement, qui est un travail, surtout en ce qui concerne ce film, très découpé, puisque c'est une comédie, donc il lui faut beaucoup de matériel, on est toujours dans de bonnes positions, dans de bonnes situations pour capter le son avec la perche. Ce sont des comédiens qui ont des voix merveilleuses, qui timbrent, donc je suis vraiment, vraiment aux anges. Ah là, écoute, il y a un accrochage. Vous voyez, quand on leur parle leur langue, ils comprennent. Leur langue. Et oui. Cela alors. Ça va. Oh, très bien, le fameux coup. Continuez. J'adore les danses folkloriques. Je crois qu'il faut d'abord préciser que je travaille avec le même perchman depuis plus de 20 ans. Donc il y a cette confiance et cette la précision du travail de Bernard à la perche qui est absolument remarquable. Hein ? Sans casque. Sans casque, parce que c'est la française. Et là, il est en train de se foutre de ma gueule parce qu'il me voit parler. Ouais.